s'engage là-dedans. Fondamentalement, c'est parce que je pense en tant qu'individu et citoyen, on est convaincu que les entreprises ont une place dans la résolution des problèmes. Donc Studio Twins, on est spécialisé voilà, dans les textiles innovants pour la santé. On a débuté en 2011. Nous proposons donc Maze, qui est le premier plaid sensoriel thérapeutique pour apaiser les troubles de comportement n'importe où et à n'importe quel moment. C'est un nouvel outil de thérapie sensorielle, thérapie non médicamenteuse. Sous la forme d'un plaid, un objet réconfortant, apaisant, dans lequel on a envie de s'envelopper, le textile va diffuser en fait des programmes de relaxation multisensorielle qui vont donc alterner les stimuli lumineux, musicaux, chauffants, massants, et amener du coup à créer une séance de relaxation vraiment sur le corps et à revenir vers le calme. Les publics les plus demandeurs aujourd'hui, ce sont les malades d'Alzheimer en stade avancé. C'est pour ce public-là qu'on l'a développé initialement. Mais on a évidemment beaucoup de demandes sur les troubles autistiques et aussi sur les situations de fin de vie, de myopathie, de polyhandicap. Les situations sont vraiment variées et voilà, on avance petit à petit à utiliser le produit sur ces publics-là aussi. Mais ça va permettre aux soignants de gagner en bien-être, de revenir au calme plus rapidement et de se sentir mieux. Aux équipes d'avoir un nouvel outil pour dénouer ces situations, à terme de réduire justement la médication et de reconstruire ce lien fort entre l'aidant et l'aidé et cette relation qui est essentielle au quotidien. Christophe nous a rejoint depuis quelques mois et a pris le train en marche. Comme l'a dit Louane, j'ai pris le train en marche. Et donc, c'est un train qui a la particularité d'aller extrêmement vite et d'être développé dans plusieurs directions. Du coup, mon apport est plutôt de les aider à prendre du recul, d'avancer, de bien mesurer les points les plus importants sur lesquels elles doivent se focaliser pour éviter d'aller dans des directions qui seraient plutôt des voies de garage, ce qui est dommage pour un train. Ah, il faut regarder des acteurs. Voilà. C'est moi qui regarde. Attends, mais c'est moi. J'ai mon carnet de doigts. Tout à l'heure, je vais parler à la caméra, maintenant, ah ouais.